Image quête. Non. En ce moment, j'aime bien vraiment essayer des decks un peu différents, qui ressortent un peu du lot, savoir un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Parce que les decks bien, au final, on les connaît. Il y a le Master Tour qui arrive. Les decks bien, vous allez les voir, hein, les chamans, les druides, les mages. Là, aujourd'hui, je suis dans un mood détente, en mode je veux bien essayer les decks, quoi. La télécommande. Je vais me faire crier dessus, elle est là. Enlever la clim parce qu'elle est en train de me frigorifier. Excusez-moi la sortie du mec là. Ça y est, je suis officiellement en bas du ladder là. Genre c'est un peu effrayant, non? Le vrai problème aujourd'hui c'est de EP guerrier. Peut-être. Je pense que je préfère faire frappe du chaos plus tard. Imaginez, il énerve Nelly. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en général, quand tu énerves des cartes, elles sont plus aussi fortes qu'avant, quoi. Je frappe du chaos, ça, je pense. Je peux même faire ça, en vrai. J'aurais pu frapper du chaos pour tenter d'aller chercher un tour, mais en vrai, on est encore trop bas en mana. À part Vandar, il n'y a vraiment pas énormément de cartes qui est super intéressante. Pour lancer la classe. Moi, je pense que l'avenir, c'est guerrier blessure. Hein. Il manque juste une extension. Hein. Dès qu'on aura une extension pour guerrier blessure, je pense que ça va être cool. Parce que là, la 1-4 pour 2, elle est vraiment forte. Hein. Ok, nice. On a récupéré un outil. Donc au tour d'après, on va piécer ça. Faut espérer qu'il ait une carte qui va avoir 4 d'attaque. Le problème, c'est que dans un deck comme ça, il va jouer les trucs qui font X, là, les 5-6. Olgra est fumée. Ouais, dans le deck, Olgra est vraiment forte. Faut tellement que je rentre vite à 16h parce que j'ai ma vidéo à faire, c'est un enfer. La nature n'attend personne, sauf moi. Ouais. Bah, malheureusement, je vais pas pouvoir suicider ça, quoi. Après, ça m'empêche pas de le poser, non? Quoique, je peux peut-être garder ma pièce. Ah, c'est bon, il a 4 d'attaque, nice. Il y a un bébé qui pleure. Allez, allez, une bonne carte. C'est très bien, ça. Et ben voilà! Alexis Sanchez à l'OM. En vrai, je pense qu'il va être fort. Oh, quand je vais poser mon énorme hareng là autour d'après. 7 de mana, 3-12. Le hareng sourd. Toutes mes créatures sont dans la brume comme sur le pont de Zabuza. Ça y est, par Ruiz. Bon, ça va être un jour de rotation.
Pin, 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 pin. J'ai envie de tenter l'attaque là en vrai. Hein. Un peu déçu. Le meilleur tour, c'est sûrement de taper le Bran en vrai. Mais le truc, c'est que si j'ai une 8-8 ruée là. Oh. Super bizarre comme deck. Au moins, on attend. Au moins, le Haran a tanké l'attaque. Ton avis sur la bicyclette de Messi. Super beau, bien joué. Première attention, magnifique. Pas le taunt, pas le taunt, pas le taunt. Allez, un général. Eh voilà, moi mes AO, elles plaisantent pas, moi. Moi c'est AO de bonhomme, moi. Bam, 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 bam. Ouais, prends-toi la puissance de mon Neptulon. C'est quoi les autres chansons de Stevie Wonder qui sont incroyables? Celle-là, elle est incroyable. Tout, tout, tout. Oh, il a le taunt, il dégoûte. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? En vrai, son deck à lui, il était vraiment scandaleux. Parce qu'il a quand même eu 3 T1, T1. Lopez va prendre combien de matchs? 2, je pense. À quelle heure sur la vidéo sur le deck de la mêlée? À 18h30. Tout, 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 tout. Ah, faut que j'aille faire réparer mon écran de téléphone aussi. Je l'ai cassé pendant la Solary Party. Bon, je le ferai demain, je pense. Enfin, je l'ai cassé. Il y a deux petits pets dessus, quoi. Mais bon, j'aime pas. J'ai réussi un Murlocom, j'ai réussi ma vie. Menteur, vidéo. Vidéo, preuve. Personne n'a jamais réussi Murlocoms. Winrate du deck. T'as pas envie de savoir c'est quoi le winrate. Vais te dire. 7-8. J'avoue qu'on a Vandar quand même là. J'ai que la voix de Feno qui dit bambou piscine en tête. Il aime trop ça aussi, c'est pour ça. J'ai loupé la soirée partie à cause des vacances, ça a donné quoi? Est-ce que c'était la meilleure édition? Bah ça faut demander au chat, hein. C'est plus le chat que moi qui va te répondre. Hein. Moi tu sais, bon, pour moi c'était classique hein, finalement. La meilleure émission le vendredi soir. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'ailleurs, allez sur le YouTube, Solary Hearthstone. Et je vous invite tous à les follow, évidemment. Le clan Foudre Épique!
Ah, il l'a réduit, le bâtard. Oh, le hareng à 4 de mana. Pog. Le hareng à 4 de mana est si puissant. Toutou, toutou. Qu'est-ce qu'il va me prendre là? En vrai, il va me prendre la fêtarde. Non? Peut-être qu'il prend pas la fêtarde, je sais pas. Ah si, il a pris la fêtarde. Franchement, un petit Xilag de la droite là, Machala Gaming. Hein. Genre Xilag là, c'est vraiment bien. Ok, Neptulon, c'est pas mal aussi. Ouais, Neptulon, c'est pas mal, j'avoue. Et là, c'est pas facile parce qu'il doit à la fois gérer le hareng et gérer ça. Ah, ok, pour 0 de mana, c'est fait. Oh putain, la démonstration qui tourne au vinaigre! Ah, c'est pas facile, hein, 0 mana. Bah, super. Hein, vraiment, venez comme vous êtes, c'est sympa. Hein. Il y a un Malkaskus bientôt. Je suis en train de réfléchir à la formule, à comment je vais le refaire. Non mais ça suffit un moment, bon. On a compris que tu sais gérer les créatures, on sait, c'est marrant, c'est sympa. Oh, il va refaire porte-mort du coup. Non, ça fait rafale, c'est pas porte-mort, abuse pas. C'est bon, abuse pas, on a compris, frère. Voilà, sur un creux. Et voilà, prends des dégâts un peu dans ta mère là. Ok, Denatris, pas mal, pas mal. Simana Denatris. La merde cette carte. Bon alors évidemment le fait qu'on lui donne un ping gratuit c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. On se rappelle tous de l'annualité de Pilo au quiz. Ouais c'était compliqué Pilo au quiz. Enfin non, en vrai il était mauvais sur les Malgaches quiz mais par contre c'était le meilleur des Solaris sur... Bah sur... Sur les autres trucs qu'on a fait quoi. Puisque malheureusement bah, vu que c'est des décisions collectives des fois les gens l'écoutaient pas et à le contrario des fois les gens auraient pu l'écouter mais il aurait pas eu bon quoi. Et du coup, on joue ça? Suis pas très confiant dans la puissance de mon Denatrius. Ça lui ramène rien, lui, normalement. Ça va lui ramener un vieux Mordresh. Même pas.
Bon bah écoutez, go hein! On a poil. On n'a plus rien. C'est pas si grave ça. C'est un peu plus chiant. Oh, what? Il est fou, quoi. Il est mort, du coup. Et voilà pourquoi le hareng est très très fort. Alors, j'imagine qu'on garde Ordali, hein. Ça, c'est une main qui plaît, parce que du coup, on a que des spells et toutes les créatures sont dans le deck. C'est normal que je sois pas convaincu. Comment tu peux pas être convaincu après cette victoire? On va passer dans le top 2000, là, hein. Ah, ok, on est que le 18 mois, très bien, c'est pas super le top 2000. Les problèmes. Toujours sympa, Trog, quand t'as 6 spells en main. Pièce Ordali, une tour Ordali, ouais, c'est le plan. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'il joue, lui? Genre, il a le deck le plus agressif que j'ai jamais vu de ma vie. Le mec qui abuse, le plus agressif que j'ai jamais vu de ma vie. C'est quoi ça? D'accord, ça buff tout le monde, très bien, on est content, super. Super ce genre de carte, très bon design, on est content. Là, si je ramène un hareng, mon hareng il est trop fort contre son deck. Genre, avoir un hareng là, ça m'arrange. C'est ce qu'on peut, hein. C'est un métier, vous savez. C'est un métier, hein. En vrai, j'aurais juste pu clean avec ça et machin, mais bon. Oh putain, c'est la pire. La merde, c'est Ordali. Après, comment il passe ça sans me rendre de points de vie? Ah ah! Qu'est-ce que tu vas faire contre mon Denmatrius de Wish? Cette vanne était un peu camouflée. Pas mal, pas mal, pas mal. Je vois, je vois. Ça travaille. Je vais faire la première partie de One Man ou quoi? Et ouais, il est obligé de trade, hein? Et là, tu mets un général machin, là, quand même, là.
C'est exceptionnel. Oh putain, non, c'est nul. Le hareng de 2. Ok. Ah là, il le sait qu'il a perdu. Hein. C'est terminé, là. Bah alors, deux victoires de suite? Bah alors, on critique mon deck? Attends, on est même à trois victoires de suite. Bah alors, on ferme sa gueule? Je ne vous entends plus. Ah mais Tars, il a laissé toutes ses conneries à l'entrée du jeu. En vrai, le spell à 4 là qui met 2-4 de ruée, il est vraiment fort. Hein. Genre, si on veut vraiment analyser le truc, quoi. J'avoue que le reste est vraiment pitoyable, quoi. Le reste est vraiment très très triste. Mais bon, est-ce que c'est pas plus sympa d'essayer de s'amuser avec des decks comme ça que de jouer druide? Je sais pas. Peut-être que demain je vous dis ça et demain on sera en mode druide. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on s'amuse bien là. Non mais c'est une curve de deck aggro là! Cache into cache hero power, into manœuvre, il manque juste un T5. Une starfish s'envisagerait? Je pense pas. Hein. Pour le moment, j'ai pas eu de problème avec le freeze, mais c'est vrai que potentiellement en tournoi. Tellement lente cette carte à le cacher, mon dieu. Là, s'il fait croissance, là, je vais l'agresser. Hein. Je suis un deck aggro. Hein. Que je suis censé faire ça dans le vide? Ouais. Hein. Hey, regardez! Si vous fermez les yeux et on vous dit que c'est un zoo, vous y croyez, hein? Du coup là il va faire scale, pièce scale. Et il aura une 4-4 face visible que je pourrais mettre avec ma fêtarde. Incroyable. Est-ce que vous n'êtes pas impressionné là? Voilà, on a anticipé. On a encore tout anticipé, c'est un truc de fou. We are a player, hein. Allez, un bon truc. Pas le hareng. Nice! Le général. Le général. Ça ne doit pas t'aider à gérer le général, ça? Et là maintenant, faut aller gratter les derniers dégâts. C'est là que ça va être dur. Parce que là, il y a Onyxia. Et Onyxia, c'est un problème en vrai.
Non, il y a le truc qui mange. Ah, mais heureusement, j'ai mon ordali. Et vu qu'ils se tapent entre eux, du coup, je pourrais repos. Oh putain, mais pas le hareng. Oh, mais attendez, c'est létal! C'est létal! Zéro. 4-0. 4-0. C'est genre une game, deux games, trois games,